offensive qui donc a eu lieu pendant que vous étiez en train de vous reposer. L'offensive a été lancée sous les coups de 10 heures. En soi, les mercenaires sur l'île ont quand même été surpris, même si votre excursion nocturne n'est pas passée inaperçue, qu'ils se sont doutés qu'il se passerait quelque chose. Ils ne pensaient pas que ça arriverait aussi vite et surtout n'étaient pas préparés. Quoi qu'il en soit, à l'heure actuelle, nous n'avons encore pas réussi à conquérir toute l'île. Donc après un peu de repos, vous êtes redéployés et vous allez donc participer à cette offensive. Pour information, si vous voyez un petit peu la map, la grande crête au nord avec la tour radio, là où il y avait l'anti-aérien, on a réussi à le capturer, à le reprendre assez aisément, ça a été l'objectif principal. La ville dans laquelle nous sommes a été bien fortifiée, les mercenaires se sont bien défendus, mais on a réussi à reprendre le coin. Et l'aérodrome est pareil, a été sous notre contrôle, on a pu profiter de quelques supports d'artillerie. Seulement, voilà. Maintenant, comme vous pouvez le voir, le temps se gâte un petit peu, donc pour le support aérien, ça va être un petit peu compliqué. D'autant plus que... ouais, il y a des nuages qui approchent, la météo prévoit de l'orage pour la nuit, donc on ne sait pas quand est-ce qu'on pourra continuer l'offensive, sachant qu'ils ont du matériel vraiment lourd en face et ça demande énormément de concentration et de préparation pour les différents points de défense. C'est des véritables guerres de position, ils nous tentent des embuscades, enfin c'est vraiment la merde. Le point vraiment qui nous fait chier pour le moment, donc c'est le point du phare qui est tout à l'ouest. Que du coup vous n'avez pas fait exploser, ce qui nous emmerde bien parce qu'en gros le phare est utilisé par les mercenaires comme point d'observation pour leurs mortiers, d'autant plus que la péninsule est un endroit très très simple à défendre, donc il y a pas mal de mecs qui se sont regroupés là-bas, qui se sont fortifiés et jusqu'à présent les marines n'ont pas réussi à prendre la position, on a subi pas mal de lourdes pertes. Du coup je vais vous envoyer voir le capitaine Johnson qui est marqué sur la map dans notre position, donc tu verras Michael, c'est marqué par un petit curseur très visible. Vous irez le rejoindre à HumViz et il vous expliquera les détails de l'offensive contre le phare à laquelle vous avez participé. Voilà, donc vous avez cette HumViz à votre disposition, suivez les routes, attention à la circulation, hein, même si la zone est alliée, justement, il y a pas mal de circulation, il y a des véhicules qui transportent des blessés, d'autres qui vont au front, il y a une patrouille juste à la sortie, donc attention à ne pas les écraser, allez voir le capitaine Johnson et il vous briefera sur l'offensive qui se prépare. Voilà, sur ce, bonne chance. Une question. Oui. Si on attaque une île, ça veut dire qu'on a une flotte, alors pourquoi si la flotte elle ne bombarde pas le phare? Parce qu'on est sur l'île. Parce que justement, il y a certaines personnes au phare que nous voudrions récupérer. Je vous présente donc monsieur Alyosha Vassiliev, qui est un de ces leaders mercenaires que nous soupçonnons de plusieurs crimes et infractions aux conventions de Genève. C'est pourquoi l'ONU voudrait bien le récupérer afin qu'il réponde de ses actes. C'est pour ça qu'on ne peut pas se permettre de tout bombarder. Non pas que nous, on s'en fout de le tuer, mais l'AE aimerait bien le récupérer vivant donc pour le juger. Mais il possède également des informations qui pourraient nous être utiles pour mettre à jour certaines choses qui se sont passées durant le conflit de la République de Bakou. République de Bakou. Moi, j'ai une autre question. Il dispose comme quoi de matériel de réparation, parce que bon, j'ai fait péter cette putain de tour radio et elle se porte comme un charme là. Je la vois dressée au sommet de la colline, ça me prend pas les boules. C'est parce qu'on en a redressé une rapidement pour notre propre communication. C'est vachement balèze les gars. Ah bah le génie américain, s'il te plaît quoi, America fuckier. Du préfabriqué. C'est pareil, les bulldozers sont passés, donc les carcasses... Donc les carcasses, voilà. Les carcasses de l'aéroport. Bon allez, attendez 30 secondes parce qu'il y a Rémeo qui me demande si ça a déjà commencé, donc je vois s'il vient ou pas. J'ai dit oui comme ça. C'est pas RP. Avec XM8. Tu veux dire que Rémao vient de se réveiller et il veut savoir s'il a le temps de s'équiper? Bah je pense oui. Parce que voilà, comme monsieur d'argent, monsieur s'achète un XM8, c'est tout. Voilà. C'est fini, oui, là les chamailleries, j'en ai marre. Voilà. On se calme. Moi j'ai une question. Comment tu fais pour nous présenter le mec sachant qu'il n'est pas là physiquement? Présenter qui? Son drift de foot. À droite après, passer à gauche, c'est pas forcément la merde des idées, mais bon, bref. C'est bon, on entend super mal. C'est normal, il est hyper long. Oui, on continue à droite parce que la route de gauche continue pas. On va croiser un quad, c'est obligé. On fera sauter. Mais non, on va pas un quad terroriste. Hein. On va où à droite hein? Droite. Ah là, coupe direct. Ouais, coupe par la route. Là, prends à gauche et tu peux couper. Non, à gauche, ouais. Mais faut, Johnson, il nous attend à 300 mètres à gauche, en fait. Bah oui, bah on fera un détour. Hein. Si en même temps, vous avez pris la mauvaise route, forcément. Bah on aurait dû prendre à l'extrême droite en partant de l'autre côté, c'est pas grave. Ah voilà, tu continues tout droit et prochaine à gauche et en gros, c'est bon. Ouais, tu tourneras là où, juste après, là où il y avait l'anti-aérien. Ah. Bon, on a fait un détour, mais on va arriver, hein, c'est bon. J'ai sur Scar, c'est pas grave. Le conducteur, c'est pas où il y a. Si, si, mais attends, là, c'est pas prévu qu'il y avait des. Ah, oh là, oh là. Routes comme. Vas-y, à gauche, à gauche. Allez. Et heureusement que. La vache, j'ai rapide. Mais fonce pas dans un arbre. C'est des alliés, c'est pas un pick-up, c'est un. Oui, enfin, les alliés, ils sont au milieu de la route. C'est des alliés, ils sont au milieu de la route. Faites quoi là? On a failli rentrer dans une voiture alliée. Ok, c'était un bug. C'est les dernières fois que je laisse Kylian conduire. J'ai trop peur. Non, mais que dalle, je conduis super. Vous serez gentil, décide de suivre les routes et de pas rouler comme des chats. Non, on roule pas comme des. Merci. On roule pas comme des fous là. Ah, j'avoue. Ah, c'est pas comme des fous, le gars il a 90 sur une route en terre. On roule pas comme des fous, c'est ça. Je me chie dessus moi derrière. Putain, mais on va se prendre un camion de troupes, ils vont se rentrer. À moins de petite puce, le truc il décolle, c'est n'importe quoi. On a une autre position en plus. Allez, attention, on est à 100 mètres, à droite, à droite. Vas-y, arrête-toi là. Top, 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 top. Non mais attends, Johnson, on va pas descendre en bas, on va pas descendre en bas, c'est bon. Regardez là. Si, 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 on suit la petite route quand même. Tu vas écraser William. Mais non, t'inquiète pas. Voilà, c'est bon, on est arrivé. Ok, débarquez une fois garé. Camarades, puis je vais vous briser pour la mission à venir. Je vois que tu as un... Capitaine Johnson. Hein? Tu as un petit jeune ici? Ce sont mes hommes, vous les respectez un petit peu, merci. Un petit Young. Laisse Young tranquille. C'est pas drôle, casse-toi. Bon, plus loin. Rémao, t'es là ou pas? Oui, je vais juste me connecter. Ça marche. Dans ce cas, on va se rapprocher du shop, comme ça t'entendras au moins. Suivez-moi, messieurs. Donne des ordres en plus. Oui. Je suis capitaine, donc oui, je peux te donner. Ah, je suis colonel. Je ne sais même pas quoi. Pareil, c'est pas grave, je suis général dans ce cas. Ça va, bon, la promotion. Je vous invite donc rapidement. Promotion canapé. Ce sera plus simple. Alors, comme vous pouvez le voir, la péninsule à l'ouest, les ennemis retranchés. On a deux escouades de marines en fait qui, pour l'offensive, vont attaquer de front le long de la péninsule. Vous passerez par la mer. L'offensive se lancera, on les bombardera de fumigène. Ils seront complètement aveuglés. Les alliés comme ça pourront avancer de front, resteront relativement à couvert, attireront leur attention. Pendant ce temps-là, vous récupérerez des bateaux qui sont en contrebas de notre position. Vous longerez la côte et vous arriverez dans leur dos. Donc, Michael, j'attire ton attention sur le point marqué sur la côte, qui est un point où vous pouvez débarquer. Sachant que vous pouvez marcher le long de la côte assez aisément, et pour ensuite monter sur l'île, c'est le seul passage disponible. Votre objectif sera donc de passer dans le dos des ennemis, de les igouiller, sachant que, évidemment, ce qui nous emmerde le plus dans cette position, c'est surtout ce putain de mortier qui arrête pas de massacrer nos zones depuis pas mal de temps. Donc voilà, on compte vraiment sur vous, on fait croire que vous êtes la diversion, en fait, vous êtes le marteau. Donc essayez de passer discrètement, n'hésitez pas à bien longer la falaise pour éviter que les mitrailleuses ennemies vous tirent dessus, même si avec les fumigènes ils tireront plus à l'aveuglette qu'autre chose, mais prenez pas non plus trop de risques, voilà. Une bielle perdue vite arrivée, surtout avec une DS. Donc voilà, sur ce, je vous invite donc à rejoindre les bateaux qui sont en contrebas là, en bas, ils sont marqués... wow, c'est raide hein. Putain. Et RMAO. Ils se font pas chier pour mettre des bateaux. C'est clair, en fait, les mecs, ils ont sur des petites. C'est ça, c'est exactement ça. Les mecs, ils ont attaché le bateau, ils ont fait allez, envoyez-les. Bande de couillons, ramenez vos culs, il avait pas été terminé. Ils ont mis sur les rondins de bois, ils ont fait. Quand vous pourrez partir. Ah bah super. Je vais mettre un peu de radio. Est-ce que je pourrais tirer avec la. Ah, je vois déjà qu'il y a des mecs dans une baraque. La baraque en ruine, il y aura des gars. On va longer la côte, alors arrosez ce que vous trouvez. On a quoi, un minigun? Vous pouvez tirer vous sur les côtés avec vos armes ou pas? Non, non on peut pas. Ah écoute au lance-grenade, si tu vois quelque chose t'arrose. Par contre, il faut non, il y a un mec qui a récupéré un lance-grenade, on va défoncer tout le monde. C'est affreux. Ça on va aller comme des gros porcs, attention. On peut y aller? Oui. Allez go ma couille. On attend que toi en fait. Mais bon il a dit attendez je lance le barrage. Je vais me faire one shot avec une balle perdue. Ouais. Là on va s'écraser sur les rochers, fin de la mission. Ça se produit. Il y a 1 km. Ah mais là tant qu'on arrive les smokes elles sont finies hein. Allez filles. Tant qu'on arrive on peut tirer dessus ça. J'ai le mal de... Il y a possibilité de tirer avec le minigun. Bah la passe de tirer en minigun et tout en résident à la mesure. Faites attention. Ah j'entends rien avec le bruit de bateau j'entends. Ça se trouve VIP au moins. Ah dans le phare non? Négatif. D'accord. Ah ouais, chaud quand même. Il se lève sur dire ça va attendre dans le VIP. Il y avait un costard. Non mais on débarque ici là en vrai. C'est un thug en costard cravate ça. Ah ouais mais on débarque comment là? Il faut débarquer sur là vous l'avez dit. C'est juste sur la gauche là, il y a des gens. Sur la gauche monter là. Oui bah c'est là, ah, c'est là où il pond donc forcément. C'est moi. Ah d'accord. Oh wow wow wow. Non mais ma bloque pas je veux pas mourir. Non je crois que c'est offensive, ouais, c'est de chez nous ça. Ok on enfin, demande. C'est chez nous oui d'en face aussi. Bon aidez-vous des rochers pour progresser jusqu'au phare hein. Faites gaffe s'il va y avoir du monde. On se fait tirer dessus par contre. Oui à droite. Ok, ils ont lancé l'offensive les autres. Ah, c'était le but, hein, ils vont pas nous attendre. Ah, ouais, ouais, bah, j'ai la confirmation. Ouais. Je d'aboucher, oui. On se fait. Ah, oh, c'est ennemi. Ennemi. Pardon, oui, mais je me faisais arroser. Je l'ai appelé au plein milieu. Il y en a encore un. 10 minutes 210. J'ai des grenades et des fumiers au cas où. Il y a un mec en haut de la colline, on peut... quelqu'un peut choper. Ah, faut qu'on monte doucement. San. Putain, c'est une grenade. Attention. Juste au-dessus. Il était où? J'ai tué sur le haut de la colline, je suis plus de contact. Ok, faut qu'on avance vers le phare. Je progresse par la droite. Je suis derrière toi qui... J'ai un visuel sur le phare. Tu vois quelque chose? Non, il y a l'air personne. J'ai l'impression qu'il y a du monde sur notre droite en bas de la colline. Ah vache, le nombre d'ennemis qu'il y avait là. Oh. Attends, mais c'est civil ça? Non, non. Eh mais c'est un truc de mortier. C'est pas à nous. Non, 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 c'est les mortiers ennemis. Bon, c'est bon, c'est bon. Les contacts, camion ennemi. Pendant, attention. C'est bon? On va pas écraser notre QG quand même. Ils sont qu'ils soient bien morts parce qu'on sait jamais. On a besoin de menottes pour le VIP. Le VIP il a disparu. Capitaine Johnson, Eagle 1, je rejoins votre position avec des renforts pour combler votre escouade. On arrive. Bah il est tombé en bas, il est mort. Ouais, il est passé à travers un mur ce coup. Bah, le VIP est mort et seul devant le phare. Attendez, faut que je me gare parce que je vais faire une syncope là. Ouh. On a fait utiliser le lance-grenade, hein. Ouais. Je l'ai fait respawn. Mais qui commencé par cette première, c'était lui là. Ah, je l'avais pas reconnu là. Je répète, le VIP vient de revenir à lui en fait. Il n'avait pas mangé depuis ce matin. Qui s'est évanoui un instant. Et les gars, évitez de lancer le VIP par la fenêtre là. Tu vas pas dire les informations, dégage. Je crois que l'idée c'est de ramener le VIP au camion. Non, il arrive, le capitaine Johnson il arrive. Ok, vous rassemblez vos gars. Il arrive. Allez, rassemblement. Que vous bougez vos culs aussi. Et ramenez-moi cet enfoiré. Mais rassemblement où? Près du gros camion allié là. Un VTTB. VTBBB. Un striker. Un strike. T'as du striker. T'as du LAV striker. T'as du Venom, Viper, Chinook. Monsieur Vassiliev. C'est pas Chinook. Non, je sais. On sent du phare. Bien. Tu vas voir le mec du phare. Ah, il l'a encore rejeté, putain. Voilà les Marines. Bon boulot en tout cas, c'était un bel assaut, on les a bien utilisés. Je sais pas ce qu'il te fait, mais il veut t'abattre avant tout. Je sens un peu sur les nerfs. Est-ce que je peux abattre Murphy là? J'ai pas confiance. Non, c'est une nouvelle recrue. C'est moi qui vise. Bon, il arrive ce mec. Pourquoi vous le traînez pas? Mais qu'est-ce qu'il fait ce mec? Fous-moi ça dans le pick-up. Je sais pas, en fait, on a menotté, puis il a mystérieusement tombé par terre. Oui, alors, d'après les informations de Johnson, il n'avait pas mangé ce matin, donc il était pas bien. Oh là là, cette bande de braqueurs. Mange de la terre, grosse merde. Merci bien. Bon, allez, revenez tous là. Bon. Pendant ce temps-là, l'offensive a continué. En tout cas, félicitations. Elle va, si besoin, de se réapprovisionner ou pas? Ou est-ce que ça va aller? Pas besoin de... Ok, bon, dans ce cas, on enchaîne. Pendant ce temps, pendant que vous vous amusiez ici, est-ce que vous voyez un peu au sud, vous vous souvenez de l'endroit où vous avez atterri l'autre jour, enfin ce matin? Ouais. Vite fait. Oui. C'est le truc qui est marqué par une croix rouge, je suppose. Je suppose que tu supposes bien. Ici, ah oui, voilà. Cet endroit. Bon, cet endroit est un putain de terrain à découvert. La lisière au sud est complètement bourrée d'ennemis qui sont en train de tirer nos mecs aux pigeons. On ne peut pas passer à droite à cause du dénivelé, et à gauche ils ont des batteuses, et c'est pareil, le terrain est absolument merdique. Au sud de leur position, sur la colline où c'est marqué 131, c'est pareil, ils ont installé un campement, il y a pas mal de monde. Donc cette colline-là, on n'arrive pas à la prendre, c'est pire que le Vietnam. On est notamment très très emmerdé par le fait qu'on ne puisse pas appeler notre anti-aérien. On s'est rendu compte que ces connards avaient planqué un canon anti-aérien, certes vieux modèle, mais très efficace, là où est mis la croix rouge. Donc, ça va être à votre tour d'aller la démonter. Vous allez donc reprendre vos petits bateaux, et vous allez débarquer au point qui est marqué juste à l'ouest de votre objectif, la petite flèche bleue, qui est votre point d'insertion sur la zone. Techniquement, l'ennemi regardera vers le nord en direction de l'offensive, c'est pareil, ça reste que canardé bien sec. Je vous tiendrai au courant personnellement de l'avancée de la situation, savoir de ce qu'on a besoin. Ceci dit, faites attention. Une fois que vous aurez pris l'anti-aérien, vous serez un peu au milieu des ennemis. Il y aura ceux qui seront au niveau sur le front, et également des renforts qui seraient susceptibles d'arriver. Donc on verra à ce moment-là si vous arrivez à tenir, si on vous fait bouger, etc. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin de dégager cet anti-aérien pour que le support aérien puisse arriver. Qu'est-ce qu'on fait? Bah regarde derrière. Ah bah oui. On y va. Eh bien, parce que sinon tu seras premier à foncer sur la batteuse. Mais Dick va pas en première ligne, t'es fou. Là, à 500 mètres de l'objectif. pas confiance. Ça sent l'embuscade. Ça bouge devant, juste au-dessus de nous. C'était de la maison. Sur la route, y'en a un. Ok, je vois pas de route, je vois pas de maison, je vois donc. Et juste en face de nous. Regarde ton putain de GPS. GPS. La route à gauche. La route à gauche. Non, c'est pas des potes ça. Là. Mec, on est en territoire ennemi. Des potes derrière les ennemis. Bah ouais, tout à fait. Ennemi, feu. Il y en a 36 000, hein, les mecs, c'est une escouade entière. Dans le bâtiment, dans le bâtiment. Eh ben enfin fumier, 5 balles de... Attention Chenir, je passe. Ah. Soit je veux rentrer, je veux pas mourir. Le compte t'es censé diriger les squads et nous inspirer par ton courage. Bah là je vous inspire que j'ai pas envie de mourir parce que si je suis mort je sers à rien. C'est bien, tu feras un bon voltigeur. Il y a terre, il y a terre, il y a terre. Ouais bien sûr, mais tarde. Là il est à terre. On vise quoi exactement? Des ennemis Rémao. Ah. Est-ce que tu pourrais nous donner, je sais pas, genre... Parce que non, vers où tu es, c'est vers chez les alliés. Hein. Enfin, vers... Mais là en fait je t'explique, on est en territoire ennemi derrière pour aller défoncer un truc anti-aérien. Oui, mais c'est là-haut l'anti-aérien, c'est droit devant nous la route. Oui, mais là c'est pas sécurisé, on est en territoire ennemi, tu comprends? On peut toujours s'amuser à laisser des mecs sur notre flanc, hein. Ça peut être sympa. Oui, ça peut être drôle après, comme ça ça fait un petit enjeu, ils arrivent en dos, etc. Non, mais vers là où ils tirent, c'est un allié quoi. Enfin... Non, c'est pas, pas un allié. Ouais. Parce qu'en fait, les alliés ça, ça tire pas dessus. Et les points verts, c'est les indépendants. Les points bleus, c'est les alliés, verts indépendants. Des contacts sur la droite. Au lieu de dire droite de nous, les points cardinaux. Tu veux que je te donne un azimut? C'est simple, azimut 10. À l'ouest. Oh, excuse-moi, au nord. T'es une boussole en bas, c'est vachement plus pratique. Ouais, mais je trouve ça moins réaliste de utiliser la boussole en jeu. Nous, c'est moins réaliste, quoi. Je sais pas, t'as pas une boussole quand... Et les mecs quand ils sont déployés sur le terrain ils savent où est le mec. Vas-y, là la boussole elle est accrochée à la ceinture. Il y a de la morphine et des bandages. Si, bah y'a un médic. Qui est blessé? Devant. Allez on traverse hein, c'est bon. Qu'est-ce qui est blessé ici en bas? Je suis à droite. C'est l'Esno en haut. Rejoignez-moi l'Esno. L'Esno tu l'as vu la tête qui se baladait là-bas au fond? Ouais ouais je l'ai vu. C'est lui qui m'a buté, je le voyais pendant tout le temps où j'étais dans le commun. Ah comment ça était? Ah t'étais dans le commun. Ouais. Par contre là je suis sous LSD donc. C'est plus le Vietnam mec. Le LSD c'est fini à l'armée. Je vois. Dès que t'es prêt on bouge. C'est bien mieux. Non vie de nouveau la morphine. Oh putain mais quel accro ce mec. Putain de drogué là. Depuis le temps qu'on le dit hein. Connard de hippie. Par contre, Michael, dès que vous avez repéré la T, vous vous mettez pas sur son ligne de mire, vous me laissez passer avec le lance-roquette. Hein. Encore une morphine. Putain, quoi. Pour qu'il évite de se retourner vers vous quand j'arrive. Attends, je peux me la mettre. Non, non, je peux pas. T'as dit la T, c'est l'anti-aérien, tu voulais dire. Ah oui. Sur la T, c'est dans le temps que voit un soldat à T. Je me disais qu'éclater un soldat anti-tank à la roquette, c'était peut-être un peu violent. Bon, allez, on bouge. Le mec a répondu, c'est pour une roquette en pleine tronche. Bon, on y va. Ouais. Je te follow. Ouais. Après, t'as pas une poche de temps. Oh là là, mais c'est pas vrai. T'as pas 20 $, t'as pas un sandwich, voir à boire. Quand est-ce qu'on arrive? On aura plus rien. C'est bon. On peut voir un film. J'aurais pas du sel pour mes pâtes. Je savais pas des pâtes pour mes pâtes aussi. Faites gaffe, hein. C'est où est le prochain salon de massage? On a moins de 200 mètres de la tête. 228. Casse-moi les coups. Oh. On se prend des balles. On se prend rien du tout. Ça siffle. Ça siffle. Les oiseaux. Les oiseaux, je te dis. La nature. Ah, les oiseaux qui font cuicui en sifflant comme une balle à 80 km/h, c'est ça? Bah oui, il passe très rapidement en fait ton oreille. 80 km/h, ça je peux pas. Ton oiseau il s'appelle 556. C'est ça. Ah. Ah, il a un très bon prénom. Il s'appelle 555. Oui, là par contre, c'est des balles qui arrivent à la lisière de la forêt là. Bah en fait, t'exploses. Moi j'ai pas confiance à. C'est qui me semble qu'on n'est pas spoté, je crois. Azimut. Azimut 20, plein d'ennemis. Non, vas-y, un campement. C'est pas un campement, c'est l'objectif. Si t'as un visuel, Matt, tire un coup de roquette, hein. J'ai pas de visuel. Ah, décale-toi à droite, espèce d'aveugle. C'est un truc avec servant et les servants sont battus. C'est bon? Ok, progressons en faisant gaffe, hein, il en reste peut-être. Personne est blessé? J'aimerais bien se prendre des balles, donc Moi j'en ai vu plus d'un prendre des balles, mais c'était en face. Mais Chaudier, je crois que t'es blessé, toi. J'ai absolument rien pris. Il l'a dit pendant le briefing, vous écoutiez pas comme d'hab. Il l'a dit pendant le briefing que c'était un vieux truc. Ouais, il a dit que ça datait un peu. Oui, Seconde Guerre mondiale. Mais bon, là quand même... Bah du coup on pourrait limite peut-être s'en servir pour commenter l'infanterie de ce machin. Enfin là en l'occurrence... Ah putain oui mais c'est... Qu'est-ce que... T'étais obligé de monter, tu t'as fait me le faire tomber sur la tête, espèce d'abruti. Allez, on descend... Ça peut être utile dis donc ce machin. Non on va le faire sauter. Allez, moi, descendez, ça... Oui bah c'est vous qui vous cassez parce que c'est moi qui ai l'explosif. Allez hop, tout le monde dégage. Ok là que je suis bien aussi. On n'est même pas assez loin en fait ici. Alors faut faire en sorte que l'ennemi ne peut pas l'utiliser donc je sais pas comment on va faire. T'as qu'à pisser sur les sièges, comme ça ils prennent plus les sièges. Ouais, bah... Attention les filles. De toute façon ouais il est neutralisé parce que s'il monte dessus le truc il va s'envoler en air. Alors... Comme le mortier magique. Exact. Bon dis au QG qu'il est cassé c'est bon. Quelqu'un a des balles de M16? Faut qu'on se... Ah, peut-être parce qu'on est américain? On coupe les retraites ennemies. Bah non, moi j'aurais pris une Scar. D'accord, mais n'empêche que j'ai plus que des balles de flingue. Ah bah, j'ai plus rien. Je crois que moi 74, il y a une M16. Moi j'ai quoi moi là? T'as une M4. Ah, c'est... Ah mais tu utilises peut-être les mêmes chargeurs que Mika. Bah tu t'es... Ah j'ai pas besoin de morphine hein. C'est dit, tu pris mal à la tête. Ah, mais non, mais il a besoin de morphine uniquement s'il souffre. Ouais, c'est le cas. Bah, je sais pas, moi j'avais même pas remarqué que je m'étais pris une balle, je saigne ou pas. Enfin. Ça fait déjà 4, si t'arrives à 4 morphines, tu risques de convulser et de mourir. Ça veut dire quoi, c'est daté? Ça veut dire qu'il est déjà... Il a pas mal quoi. Ok, c'est bon, ouais. Par contre, il peut toujours ne pas que ça. Mais ça peut pas dire tout le monde. C'est moi, il y a un véhicule qui arrive. Ça semblage des ennemis se retirent par ici. Ok. Et on doit couper leur retraite. S'ils se retirent par derrière, ça va pas faire. Ils viennent de... C'est pas faux. Mec, ils viennent du nord? Ils viennent du sud des ennemis hein. Bah donc ils se replient pas là, ils avancent. Ils viennent du sud. Changez de côté, mettez-vous de l'autre côté des sacs de sable, vous avez pas à couvert. Ah, merci. Mettez-vous en défensif là, Eugène. Le QG a dit que les ennemis allaient se replier sur notre position. D'accord, mais quand on se replie, on se replie du front. Il va les empêcher d'avancer des renforts. Ah d'accord. Ah non, c'est pas ce que tu nous as dit, les snipers. Ah ouais, je pouvais plus revenir parce qu'il était en train de me soigner. Qu'on se remet de l'autre côté. Pour un fonce, je vais me manger quelques balles côté de... Ouais, dans la forêt, pile en face. J'ai pas de vigie. Je sais pas sur quoi. Vous tirez sur quoi? C'est top. Azimut 200-210. On a un Viper qui arrive. Je vois pas un seul ennemi. J'ai tiré un tir de suppression, mais. Putain! Une TAR21, je suis sauvé! Ok, bah c'est 14 qui est mort. Moi il est mort. D'où il... Wow. Pas de tir. Faut peut-être bouger, non? On bouge. Sur la colline. Pas sur le... Tu conçois quand ils nous bombardent? Allez, go. J'ai des tirs ennemis en bas à gauche. Ok, ta mère. Mec, là, il y a un nom marqué, mais je sais pas si. Oui, tu vois, ils ont des. Il avait un nom ce truc. Oui, tout à l'heure, ils en avaient deux. Je crois que t'as pas besoin de leur mettre autant de balles pour être sûr qu'ils sont morts. Hein. Non, on sait jamais. Il y en a un qui traîne comme pas si. Faites gaffe en face. En face, c'est des années, les gars. Ouais, c'était. Ce que tu lui as mis. J'ai même eu le temps de voir son nom. C'était gratuit, tu l'as déboîté. Il a commencé à dans ton move. Comment? Il est pas mort. Attends, comment je fais ça? Putain, c'est... Oui, mais ça signifie qu'il reste un mec. Si, il est mort. Ah, il est mort. Dimitri Gross, les pattes. Pourquoi est-ce que sa tête bouge? Je viens de lui mettre 3 balles de 9.3, tu crois qu'il est encore en vie? Peut-être la saute colline, vous avez bien sorti? Comme dans la ligne rouge. C'était une colline. Parfait, bon, l'essentiel c'est qu'on l'a prise contre, sincèrement, les pertes ont été très élevées, d'un côté comme de l'autre. Mais bon, tant d'efforts sont récompensés par la victoire. L'Amérique et le corps des Marines sont fiers de vous. On peut tirer en l'air. Attendez. Je trouve plus mon bouton magique. À distance, parce qu'avec vous, c'est pas sûr. Bien reçu, SS Washington, terminé. Je viens de recevoir... Revenez, je viens de recevoir... une communication urgente, on a repéré, confirmé la présence du général Zef Enguier sur l'île. Il s'agit d'un des leaders de l'armée rebelle de la République de Bakou. Cet homme est accusé de plusieurs crimes et génocides et est mis à prix par Interpol, l'ONU et tout ce petit monde. Il faut absolument le capturer vivant avant qu'il ne puisse s'échapper. Bah, sa position, j'affiche sa position sur la map. Pas le buter. On fait comment ça menace? Il me reste un chargeur de batteuse. Ah, bah tu vois que t'as plus de balles. Non, bah, eh, bah, réaliste. Eh, bah, moi, si je meurs, je te. Après le flingue. On fait comment sans menace pour le capturer vivant? On est chaud. Je sors, je fais au col. Général, dès que l'aiguille s'arrête, vous descendez et vous mitraillez tout. Hein. Moi, je reste dans la batteuse, peu importe ce qu'il y a. Là, en fait, on va arriver et être shot sur Kylian direct. Bah, si ça permet de. T'arrives dans Battlefield. Si ça permet de gagner la mission. Alors j'accepte. Alors j'accepte de prendre ces balles. On y est presque. Attention, véhicule ennemi. Et voilà, droit devant. Non, mais c'est un camion. Ennemi en visuel. Tu tires dessus. Arrose, arrose. Mate à terre. On a un homme. On a le champ pour un tank. Ouais. Je savais qu'il y avait un gros connard qui avait.